On est reparti les gars, on est reparti pour un match sur les ailes. Oh, il est pas en Zittler. Il est encore en Guardiola, décidément. J'allais dire, le match d'avant, c'était le... Il était classé combien? C'était à Div 1, il était 163 ou 168, je sais plus. Mais que du coup, c'était un joueur très très bien classé. C'est pour ça qu'il m'a baladé tout le match. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça. Je voulais quand même réessayer Bernardo Silva dans cette position. Et après, je pense que je vais tester. Je vais voir sur ce match-là et je pense que je vais tester un 4-4-2 après. Et je disais que le copain, il était top 160, je sais plus combien, 160 et des poussières. Et qu'au final, c'était agréable de jouer contre lui. Voir un joueur aussi bien classé jouer comme ça et pas en contre-long ballon, en contre-rapide et à te foncer dedans et à presser non-stop, c'était plutôt agréable. J'en faire ça. J'en faire ça, voilà. On est à l'exact opposé là. Ah, dommage. On a essayé, on a essayé. Je sens que ce match-là, il va pas du tout être, ça va pas du tout être la même chose. On fait, merde, on fait attention au positionnement de, ouh, il y a le feu. De, ça, c'est parce que je suis sur les ailes, les gars. Si j'étais en possession, j'avais pas anticipé. Je pense que son joueur, il part au but. Oh, de rien. Oh. Du coup, vu qu'on est en bloc médian et pas en bloc haut, ça permet de récupérer ce genre de ballon en profondeur sans forcément anticiper. On a encore les appels de Bernardo dans les demi-espaces. Et j'allais dire un truc avant que j'ai oublié. Ah oui, on voulait voir les appels de comment Bernardo se positionnait. Ah, d'accord. Je pensais qu'il allait la claquer, je pensais qu'il allait faire un truc, mais archi pas. Ben finalement, je crois qu'on va mettre des marquages, les gars. Je crois qu'on va mettre des marquages comme d'hab, les gars. Après, c'est Di Marco. On sait que Di Marco, il part un peu n'importe comment. Mais il était vraiment solo, quoi. Mais bien sûr, Eden, va à la retraite là, t'as fait faute, bien sûr. Pourquoi tu fais genre? Eden Hazard, les gars, c'est totalement fou. Le mec, il est proche de la retraite, quoi. Oh. Non, on va mettre des marquages là. Il y a faute, non? Je ne peux pas laisser ses lier tout seul. Comme ça, parce qu'il va mettre la misère tout. Oh! Casse pas les pieds, toi! Ben on va, je vais vous refaire une vidéo les gars. On est à combien? On est à 3 minutes. Je vais cut et je vais vous refaire une vidéo parce que je sens que ça va être un match dégueulasse. Du coup on relance rapidement. Je vous montre l'équipe de mon adversaire. Il est en 4-2-3 aussi. Ouh, ça peut être sympa. Il a Deschamps. Du coup on sait pas trop. Et je crois que je joue Paria TV qui est un... qui est un joueur Xbox qui est de l'Académie Football. Il organise des tournois sur le Discord de l'Académie. S'il y a des joueurs Xbox qui sont intéressés. Vous pouvez vous rapprocher de lui. C'est lui le responsable. Organisation tournoi Xbox pour l'Académie Discord. Je vais y arriver. Et du coup, le match d'avant, j'ai perdu 20 minutes de ma vie là. Finalement, le mec, il a pas quitté. Et moi, vu que j'étais à fond sur mes. Je regarde comment les joueurs se déplacent, se positionnent dans ce système de jeu. Au final, je suis resté tout le match, j'ai même pas fait gaffe. Et le mec, il s'est amusé à tacler, à pourrir le jeu, à pas jouer. 20 minutes de ma vie perdue. Et tu te demandes les mecs qu'est-ce qu'ils font quoi? Pourquoi? C'est quoi le concept? Et en plus il m'a insulté. Je sais pas, c'est un russe. Du coup il m'a envoyé des messages. Et honnêtement j'ai pas essayé de traduire flemme. Mais vraiment le faut m'expliquer le principe en fait. Si on en revient à ce que je disais la dernière fois, tu prends la peine de d'allumer ta console, de lancer ton jeu, de chercher un match pour au final faire ça quoi. Pourquoi? C'est quoi le principe? Merde, attendez, je vais prendre un but. Et souvent, on me dit, ouais, mais ce sont des gamins, les gars.
Je suis même pas sûr que ce sont des gamins, que ce soit des gamins en fait. Mais vraiment pas du tout sûr et c'est ça le pire. Allez, bref, on est reparti. J'ai oublié de changer Dimarco, je voulais changer Dimarco parce que pas sûr que dans ce système ce soit ouf. Ou peut-être refaire des marquages, je sais pas, faudrait voir. Mais si je mets pas les marquages, vous avez vu comment je peux vite être en difficulté. Bon là il joue en 4-2-3-1, ça va. Mais face à des 4-3-3, encore une fois, on peut être en difficulté. J'ai pas regardé c'était quoi son coach. Faudrait que je regarde c'est quoi le coach. Ah dommage. Ben, Olivier, tu fais quoi là? Pourquoi il m'a fait un appel sur le côté? Ça va être compliqué. 2-4-2-3-1 là, ça va être compliqué. Ah si, il a Deschamps. Du coup, on ne sait pas exactement comment il joue. Il faudrait que je regarde. Perki, tout seul encore. On l'a vu. Ah, et Giroud, là, j'attendais qu'il se positionne. Il est jamais parti. Enfin, il a même reculé. Et là, il est bien parti. Et Cherki lui met très très bien. Magnifique Cherki, magnifique Giroud. Après, elle passe entre les deux. Son défenseur n'intervient pas. Mais la passe, elle est belle au départ. Là, ça passe. Hop, personne ne met le pied. Mais pour l'instant, l'un des points positifs, encore une fois, c'est que le meneur de jeu, on dirait qu'on le trouve mieux que en possession et en contre rapide. Et ça, c'est pour quand tu as envie de jouer avec des meneurs de jeu, c'est vachement agréable. Ça va, tranquille? Du coup, on mène. Ça va être intéressant de. À un moment dans le match, de passer en def. Si on prend trop la pression ou si on a besoin de. Si on reste à 1-0 et qu'en fin de match, on a besoin de. Garder le résultat, ça va être intéressant de passer en def. Giroud, il me refait l'appel. Dommage. Oh! Ah, trop tard. En fait, j'ai pas contrôlé que je regardais déjà le déplacement des joueurs. Et il n'avait pas encore pris la balle Di Marco que je voulais déjà jouer Leroy Sané qui était bien parti. Bah oui, il faut pas se retourner là. Oh, j'ai été nul. C'est moi, j'aurais dû continuer l'action dans le sens. J'ai voulu ressortir avec Matic. Ouais, franchement, le meneur de jeu, il a énormément d'espace. C'est vachement agréable, hier. Oh! Voilà ce que je vous disais sur les joueurs qui arrivent en second rideau. Du coup, Tchouaméni, il arrive de derrière. Il n'est pas marqué. Ça peut être dangereux. Oh, pop! Je m'en sors très, 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 très bien sur cette action. Franchement, pour. Autre les gars, je suis pas sûr. Hein. Franchement, vraiment pas sûr. Là, il doit partir au but. Fin de l'action. Ah, on l'a fait trop tôt la chartouche. Ah, ta 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 ta. On va passer. Oh, il y a le feu. Oh, il lui a pas mis. S'il joue Rashford sur le côté là, il y a le feu. Oh, c'est nul ça. On est passé en def pour la fin de la mi-temps. Et lui, il est passé en off, il joue bien le coup aussi. Non?
On s'en sort bien sur la fin de cette mi-temps, les gars. Il y a eu 2-3 trucs, il peut partir au but tranquille. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est encore une fois ce qui est plaisant. Moi, encore une fois, sur les premiers matchs là. Encore une fois, sur les matchs là, ce qui est plaisant, c'est que le peu de matchs que je vois. Oh, carrément. Ce qui est plaisant, c'est que t'es le meneur de jeu. Franchement, moi qui joue tout le temps avec des meneurs de jeu, c'est vachement agréable de. C'est vachement agréable de trouver un meneur de jeu et qui a l'espace, qui a la possibilité d'orienter le jeu et de jouer. Après, faut voir. Après, faut voir. On va continuer à faire des tests. Faut que je teste le 4-4-2. Je pense que le 4-4-2, ça peut être vachement sympa aussi. Que tu as plus d'espace dans. Que tu as plus de possibilités dans la surface. Oh merde. Oh, ça passe. Oh, 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 oh. Cherki, le magicien. Il nous a fait un coup de magie là, Cherki. Oh, deuxième poteau, Leroy Sané. Ah, dommage, le centre, il est pas bon. J'ai foiré le centre. Qu'est-ce qu'il fait là, dit Lorenzo? Déjà, le match d'avant, il m'avait fait un déplacement chelou comme ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Trop chelou. Bref. Non, mais ça, c'est du niveau district, ça. N'importe quoi. Oh, t'as une touche pour toi et tu la rends à l'adversaire. N'importe quoi. Ça passe. Ah, j'ai pas eu le temps de rajouter une touche de balle derrière. Je voulais bien la pousser pour me dégager et après centrer. Il y a deux coups. Ouais, on l'a vu. Dommage. Anticiper celle-là. On l'a vu au deuxième poteau encore. Oh papa, 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 papa. Ça a été nul ça. On l'avait vu au deuxième poteau, on a voulu centrer tout de suite. Déjà, vous remarquerez que sur les centres là, on arrive déjà à avoir plus de. Après, il est passé à 3 défenseurs aussi, c'est peut-être pour ça. Oh! Heureusement encore, le contrôle il était très très long. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, après là il est passé à 3 centraux, donc c'est peut-être pour ça que j'ai plus de. Quoique en première mi-temps il était à 4, j'ai trouvé Tchouaméni aussi et d'autres possibilités. Cherki, j'aime beaucoup Cherki. J'aime beaucoup beaucoup. Bien tempo pour décaler. Ah, on a tenté le grand pont, c'est pas passé. La faute. On reste comme ça ou on change? On reste comme ça ou on change? On reste comme ça, on a joué. Et en plus, on a fait un centre de merde. C'était dégueulasse ce que je viens de faire. Hop, ouais. Les gens, ils étaient un peu écartés là. Je pouvais pas trop faire la passe. On est en assistance 3. Du coup, le temps de charger, c'était un peu compliqué là. Nul. On commence à faire des changements. Lève-toi, Ryan. On a tenté, on a tenté. Cherki fait un bon match. On s'est dit pourquoi pas. Tu vois, le mec, je l'ai éliminé, mais on dirait que j'ai rien fait, quoi. Bon, après, c'était Théo Hernandez aussi. J'ai rien dit. Mais ce que je disais, j'ai galéré à sortir ça. C'est ce que je disais dans la vidéo au deuxième poteau encore. On n'arrive pas à trouver le deuxième poteau, là. C'est ce que je disais dans la vidéo où tu fais ce qu'il faut pour éliminer un joueur, pour te libérer et te. Donner la possibilité d'avoir de l'espace. Et au final, ça sert pratiquement à rien sur ce jeu. Après, comme j'ai dit, là, c'était Théo Hernandez. Donc, Ah, il est cuit, Sané. Il est cuit, Sané.
Comme la fin de la première mi-temps, on a failli faire une dinguerie. Ça fait 2-3 fois le pauvre, il peut récupérer la balle. Enfin, le pauvre, tant mieux pour moi. Il peut récupérer la balle et partir. Et je m'en sors très très bien à chaque fois. On passe en 84 ans. On a besoin de garder le score là. On va mettre Moussial en MR. Ça va faire un peu de technique. Hop. Le mec il dit il a besoin de défendre, mais il met que des joueurs techniques. On va mettre Jonathan David. Et après, il nous reste quoi? Bernardo et. C'est pas ouf. On va mettre Bernardo. Ben, on va mettre les deux. On va mettre Moussiala à gauche finalement. Bruno, il peut y jouer. Qu'importe, les deux, ils sont techniques, ça passe. Il est resté pareil. Non, il est repassé à 4. Au moins, il tente, il tente. Il essaie des choses, il tente. Il a changé de système, il a rechangé de système. Il est passé en off plusieurs fois dans le match pour après repasser en équilibré. Au moins, il teste. Merde, j'ai plus Giroud pour jouer la balle sur sa tête. Va avoir le chrono, les gars, s'il vous plaît. Oh! Mauvaise communication! Le gardien, il a dit j'ai. Le défenseur, il a quand même dégagé. Oh, je pensais qu'il était sur moi, j'avais déjà frappé. Ah, il a fait rentrer Giroud. Sachant que lui, il a Giroud Joker! On n'est pas trop en difficulté, mais je suis pas serein quand même, les gars. Je suis pas serein parce qu'il y a des situations où ça se joue à rien du tout et genre ça. Voilà. Et il peut se procurer des situations comme ça. Bien joué. Bien joué. J'ai dit la Giroud Joker. On va passer en dev pour la fin de match. Ouais, c'est pour ça que je suis pas serein, parce qu'il y a, y a des. On n'est pas en difficulté, mais il y a des situations qui font qu'il aurait pu partir plus d'une fois tout seul au but. Oh, joli le tacle. Allez, ça passe. Bien joué. Encore une fois, les premiers avis comme ça sur les ailes, les gars, moi, ce que j'aime, c'est le meneur de jeu, encore une fois. Je l'ai dit avant et je l'ai redit et je l'ai redit, je pense que vous avez compris. Mais là, à première vue, ce que j'aime pour l'instant, c'est le meneur de jeu qui est vraiment. Il a vraiment beaucoup d'espace. Du coup, quand tu le trouves, il peut orienter, garder le jeu et non. J'ai mélangé les deux phrases là. Il peut garder le ballon et orienter le jeu. Du coup, à voir. On fera encore des tests. Je pense qu'on peut essayer la formation qu'il m'a fait en deuxième mi-temps avec le 3-5-2 là, avec un meneur de jeu et deux attaquants. On peut le tester, ça peut être sympa aussi sur les ailes. À voir. Et il faut qu'on teste le 4-4-2 aussi. Mais pour l'instant, et pourquoi pas le 4-3-3? Le 4-3-3 aussi, ça peut se tester. À voir, on va. De toute façon, on va continuer les tests et on verra bien. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.